9,4% de la population active sont au chômage. Puis, 5,5 millions des jeunes souffrent aujourd'hui de l'inadéquation formation-emploi, selon le ministre de l'Emploi. Comment résorber le chômage? L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, s'implique dans la recherche de solutions. D'où la signature d'un accord cadre de collaboration avec le ministère en charge de l'Emploi. L'accord a pour objet de mettre en place au plan régional des fonds dédiés au financement des initiatives des jeunes, d'élaborer des stratégies spécifiques à la création d'emplois et au développement de la formation professionnelle en s'appuyant sur les caractéristiques socio-économiques des districts et des régions. Il va aussi permettre le transfert de compétences dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle. Selon le ministre Dosto Moussa, cette signature d'accord cadre s'inscrit dans la politique de décentralisation menée par le chef de l'État. Sous l'impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de décentralisation en vue d'optimiser la participation des acteurs locaux au développement économique, social et politique. Parmi ces défis économiques, figure en bonne place l'emploi des jeunes. Une jeunesse sans emploi est une bombe à retardement, dit-on. Pour donc désamorcer la bombe, l'ARDCI et le ministère d'État, ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle se disent déterminés à venir à bout du chômage en Côte d'Ivoire.